mais je vous en prie. Je vous en prie, bonjour. Ça va? Ah, mais je suis contente de vous voir. Je voulais te téléphoner. On devait me le donner et puis tu sais, je suis. En tous les cas, j'ai envie de te dire que je pense bien, j'ai bien pensé à toi. Bonjour Joseph, ça va? Alors, vous allez m'expliquer le principe de l'expo et puis après on me dit un petit mot, etc. Voilà, voilà. D'accord. Avec plaisir. Voilà. On va commencer là-bas. D'accord. Alors ce tableau, c'est les couleurs du rouge, c'est-à-dire l'amour, le bonheur. Voilà, comment on voit la vie noire. D'accord. Voilà, donc ça représente ça. D'accord. Voilà. Donc, pour une femme, on va se heurter sur la femme battue. Battue. Voilà. C'est l'axe tellement émotionnel, verbal. Je reste avec elle. On l'a kidnappée. Vous voulez que je démarre? Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. C'est un moment, je dirais, bien particulier qui nous réunit autour de Josette, puisque nous sommes dans une sensibilisation. Alors, je devrais dire que cette exposition, dans un premier temps, est dédiée aux femmes, certes, mais pas que. L'intérêt et l'important est d'éveiller l'opinion publique aux problèmes rencontrées par les femmes. Les femmes sont courageuses, battantes. La femme est heureuse. La femme a tout pour être heureuse. Et puis, un jour, elle rencontre le malheur. Le malheur, sous quelque forme qu'il soit. Parce qu'il n'y a pas que la violence faite aux femmes. Il y a aussi l'agression. Qu'elle soit mentale, qu'elle soit corporelle, il y a aussi la maladie. Je vais dire le malheur. Elle est confrontée au malheur et elle cherche le moyen de s'en sortir. Mais elle trouve la clé, elle trouve le moyen de s'en sortir. La femme renaît alors. Elle est belle, courageuse. Bravo Josette. Je voudrais que nous puissions rendre hommage à une personne qui dit qu'elle n'est pas artiste. Mais quand on voit les tableaux qui sont représentés ici, c'est tout à fait digne d'artiste. Et la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est tout simplement la présence des artistes ici présents, qui sont venus justement pour lui rendre hommage. Donc très sincèrement, merci Josette. Donc je suis très émue, donc le discours sera très court. Donc je remercie la mairie. J'ai du mal à parler, j'ai trop d'émotions. Et j'y arriverai pas à parler. Tu veux continuer un petit peu pour moi? Il y a trop d'émotions. Mais je pense que, oui, Josette nous remercie, mais Josette n'a pas besoin de nous remercier. Parce que je pense qu'on va encore l'applaudir. Voilà. Ça se passe de mots, c'est bien au-delà des mots. Les évocations sont tellement parlantes. C'est ça, finalement. Il n'y a pas de mots. En fait, il vaut mieux avoir des larmes de joie, oui, d'émotion, tout à fait, que avoir des larmes de coups. Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment bien. Et puis, il faut remercier aussi tous les acteurs. Les associations qui font aussi un travail. Ah, pardon. Oui, très bien. Je ne vous connaissais pas, madame, excusez-moi. Je suis la directrice du CCAS, Nathalie Puguet. D'accord, d'accord. Voilà.
Très bien, très bien. Mais on va attendre notre vice-président, puisqu'il arrive de ce pas. D'accord. Et il va aussi nous faire un petit discours. Donc, je vais lui laisser la place, on ne va pas oui, d'accord. D'accord, d'accord. Là, il arrive. Il arrive, là. Il a un pied, là, sur la forme. Ah, d'accord. D'accord, très bien. D'accord. Bon. Donc, tu peux présenter juste l'association. Ben, allez-y, alors... Je pense que je vais laisser Mathilde venir, parce que c'est son bébé. Elle le fera mieux que moi. Donc, sur le CCAS, en fait. Voilà, oui. Voilà, oui, pour parler du CCAS. Oui. Sur le CCAS, on a une structure d'hébergement qui accueille justement les femmes victimes de violences conjugales. Donc, voilà, on peut les accueillir... soit quotidiennement pour aller avoir un moment de répit, soit en hébergement, donc on va les accompagner sur le volet social et aussi on les oriente vers nos partenaires au niveau juridique, au niveau psychologique. On peut orienter sur tous les volets en fait, dont elles ont besoin, c'est vraiment un accompagnement global. On a aussi un réseau en fait, sur le Saint-Quentinois d'environ 80 partenaires, on se réunit une à deux fois par an et on réalise en fait, des actions de sensibilisation, on parle de cas concrets ou comment accompagner au mieux nos femmes victimes de violences conjugales. Et voilà, il y a aussi des groupes de parole qui sont organisés au sein du CCAS. On a aussi maintenant des ateliers de socio-esthétique qui permettent aux femmes de reprendre confiance en elles, de travailler l'estime de soi et travailler la réinsertion à la vie sociale ou à la réinsertion professionnelle. Donc voilà, et on remercie Josie pour son invocation. Je ne vais pas dire bon. Vas-y, il y a un petit mot aussi. Moi, je me présente, je suis ici, je suis conciliateur civil. Moi, je voudrais simplement dire une chose, c'est qu'à chaque fois qu'une femme vient au cabinet, elle vient pour essayer de trouver une solution. Donc, ça veut dire réparer. Réparer ce qu'elle n'a pas cassé, en fait. Réparer, parce qu'en pensant que demain, ce sera mieux. Et moi, je voudrais dire une chose, c'est que toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises durant ces dernières années pour protéger, soi-disant, la femme battue, elles ne sont pas du tout suffisantes parce que lorsqu'une femme va porter plainte, il faut savoir une chose, qu'elle n'est pas prise vraiment en charge. En tout cas, pas partout. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être généraliser la prise en charge pour que la femme, une fois qu'elle ait porté plainte, elle soit immédiatement prise en charge, comme elle le disait la jeune fille, pour qu'elle puisse être protégée réellement du bourreau, entre parenthèses. Parce que généralement, ils reviennent quelques jours après et il lui dit « Pardonne-moi, j'étais dans l'excès ». Et en fin de compte, il la rend responsable de ce qu'elle elle a subi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, c'est bravo à toi pour le travail que vous avez tout à fait. Et puis bravo à tous les acteurs des mairies, des associations qui font un travail remarquable et c'est pas encore assez. Voilà. En tout cas, bon courage. Je voudrais donc vous présenter mon collègue et ami Freddy Grézizac, qui est maire adjoint aux affaires sociales, vice-président de l'office du CCAS. Et en effet, j'avais omis tout à l'heure dans mon propos de citer la présence du CCAS, mais nous ne le connaissions pas avec madame. C'est chose faite. Je vais laisser la parole à Freddy. Bien, merci. C'est normal qu'on ne la connaisse pas trop parce qu'elle vient d'arriver, elle arrive le 1er septembre. Pas du tout. D'abord, mes excuses parce que je suis arrivé en retard. Je suis un peu drôle. Je voulais saluer chacune et chacun d'entre vous. Et puis, je vous remercie d'être présente pour cette cause qui est importante. Et c'est peut-être inédit, c'est peut-être rare de lier ces causes avec la culture. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu de tableau qui retraçait ces violences conjugales. Je n'ai pas encore vu les tableaux, mais j'ai écouté le monsieur et ce que vous disiez à la fin est très juste, même si... on en parle de plus en plus. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à faire, même si la parole se libère ces dernières années. Je dirais que les violences conjugales touchent tous les milieux. Alors, je ne sais pas si Marie-Laurence en parlait, mais avec le CCAS, on travaille depuis pas mal d'années
avec un réseau, Mathilde Falardi qui anime le réseau est là, que ce soit avec l'UTAS, l'Union Territoriale de l'Action Sociale du département, mais aussi avec les services de la gendarmerie, de la police, de l'hôpital, puisqu'on a aussi, je ne sais pas si des gens de l'hôpital, mais un travail qui est fait avec l'hôpital, mais également aussi avec la justice. Alors, pas toujours haut et fort, on a un endroit au CCAS où on accueille toutes ces personnes qui sont victimes de violences, parce que quand elles arrivent, souvent elles arrivent des périodes de la journée ou de la nuit où c'est compliqué avec les enfants. Donc la première des choses, nous, c'est poser les gens. Voilà, et puis après, il y a des cellules qui sont mises en place. Et je crois que la ville du CCAS, c'est important d'avoir cet endroit, parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années qu'elles allaient nulle part où aller. Et le fait de se retrouver au CCAS avec des professionnels entourés de travailleurs sociaux qui font le travail pour les emmener vers les directions nécessaires, c'était important. En tout cas, plus on en parlera, que ce soit à travers la peinture, la culture, plus ça se saura, plus les langues vont se délier et plus on arrivera, j'espère, à traiter, je pense qu'on y arrivera, en tout cas on fera les efforts pour traiter ça, parce qu'il faut que celles et ceux qui ont ces gestes envers ces, notamment les dames, mais j'ai vu moi au CCS aussi des hommes victimes de violences conjugales. On n'a pas eu beaucoup, mais on en a eu deux. Donc ça arrive, il faut savoir que ça existe. En tout cas, je crois que ça doit être puni de la plus grande des façons. En tout cas, bravo madame, et puis on va prendre le temps d'aller voir maintenant vos peintures. Je crois que vous êtes dans un des plus bels endroits de la ville qui tient beaucoup à Marie-Laurence, le 115 maintenant, connu et reconnu. Merci à tous. Merci. C'est l'annonce de ce qui attend ensuite. Voilà. Pierrot, je vais faire le tour. Voilà, donc j'ai pris l'heure, voilà, moi c'est comme ça que j'ai trouvé ce qu'on doit faire. Voilà. Pierrot, le sang à travers les couleurs, c'est le monde en fait. Voilà. On voit le tableau, voilà, ça me représente vraiment. J'avais fait juste le tableau sans explication. Il y a pas de... On ne peut pas se mettre dedans de savoir ce qu'elle dit. Il y a... Voilà. Donc là, il y a la souffrance, il y a quelque chose dans la violence. Quand la femme elle vit en rose, elle est heureuse. Ses couleurs, elle est heureuse. Et malheureusement, donc, quand elle est heureuse, donc, voilà. Les boulots, ils sont là. Malheureusement, elle rencontre. Un homme pervers, voilà. Donc, et à la mort, nous elle s'en va. Voilà. Bravo, il fallait.